3, 2, 1. Alors, rebonjour à toutes et tous, et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignaient pour cette édition 2021 de Cyclo Nouvelle-Aquitaine, qui se tient, comme vous le savez, à Bordeaux, en présence de certains intervenants qui sont présents parmi nous, d'autres étant à distance, compte tenu des circonstances, comme vous le savez, et qui nous rejoindront en visioconférence lors des temps d'échange qui leur seront consacrés. Pour cette conférence organisée par l'Agence de l'eau, qui nous proposera d'ailleurs un focus sur les plans de relance dans un instant. Une conférence qui a pour titre finalement un appel, un message qui vous est adressé à vous qui nous suivez, porteurs de projets, relancez-vous, l'Agence de l'eau Adour-Garonne vous accompagne. Voilà le thème de ce qui va nous intéresser dans les minutes qui suivent, avec force description des dispositifs, des aides, des accompagnements qui sont à votre disposition. Et pour ce faire, je vais proposer pour commencer à Guillaume Choisy, directeur général de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, de bien vouloir introduire ce sujet avec, en quelques mots, une présentation justement du plan de relance 2020-2021 en Adour-Garonne, avec les aspects peut-être plus politiques pour commencer, avant de rentrer dans les aspects plus techniques ensuite. Oui, merci à tous. Effectivement, les agences, et j'associe aussi sur ce territoire l'Agence de l'eau Adour-Garonne, mais également Loire-Bretagne, on a dès juin 2020 mis en œuvre un plan de rebond, un plan de remobilisation sur nos propres crédits, sur nos propres fonds pour l'année 2020. Et c'est ce qui a permis dans chacune de nos agences d'exécuter l'ensemble de notre programme avec parfois des actions supplémentaires ou des taux supplémentaires. Je pense notamment des premières actions pour le traitement des boues qui ont été nécessaires, notamment les boues de cessation d'épuration qui ont été nécessaires sur des territoires, notamment en milieu rural, où on avait peu de traitements pour sécuriser, notamment face au Covid. Et ça, on a pris des décisions dès avril, parfois dès mai, dès juin, pour les plans de soutien au fur et à mesure. Et nous, en Adour-Garonne, on a mobilisé au-delà de notre budget parce qu'on a réalisé une année exceptionnelle avec 120% de réalisation du budget. On a remis 42 millions supplémentaires. C'est le choix qu'ont porté les administrateurs de l'agence en juin 2020 de remettre des moyens supplémentaires et qu'on a entièrement engagé. Et puis, on a eu une deuxième phase, c'est sur l'année 2021, avec pour l'agence de l'eau Adour-Garonne 47,4 millions supplémentaires et pour l'agence de l'eau je crois, Loire-Bretagne, près de 40 millions également supplémentaires de dotation de l'État. Et c'est la première fois que les agences ont une dotation de l'État. Vous savez qu'on travaille d'habitude à partir des redevances, la redevance des collectivités, 70%, et puis 15% redevance agricole, pollution diffuse et consommation d'eau, et puis redevance sur les entreprises sur leur consommation d'eau. C'est ce qui fait le budget des agences. Et pour la première fois en 50 ans, les agences ont une dotation de relance qui permet à la fois de prendre des choses en plus, notamment tout ce qui a été sur la sécurisation de l'eau. Nous, sur Adour-Garonne, on avait depuis l'été 2009 un problème d'accès à l'eau potable, de rupture de l'eau potable. Et on a majoritairement choisi de mettre ces moyens à la fois sur l'eau potable et sur l'assainissement. C'est ce qui nous était aussi demandé dans le cadre du plan de relance et un peu sur la continuité écologique. Et dans les choses supplémentaires que ça nous a permis, c'est effectivement de sécuriser cette eau. Alors, à la fois dans l'interconnexion, parfois dans des infrastructures de stockage quand c'était nécessaire sur certains territoires, notamment de montagne ou de tête de bassin ou de littoral qui étaient parfois fragilisés. Et puis, on a aussi mis en œuvre et amplifié les enjeux liés à l'assainissement avec un objectif d'être en 2027 à 100% de bon état des eaux. Et voilà, c'est l'ensemble de ces dotations pour un territoire comme Adour-Garonne, 47 millions d'euros supplémentaires, ça va permettre 138 millions de travaux en plus sur le territoire d'Adour-Garonne. Donc c'est un enjeu
colossal. C'est un enjeu important de contribution aussi au plan de relance. Et ça, ça vient s'ajouter aux 250 millions annuels qu'engage l'agence avec un effet de près de 700 à 800 millions d'euros de travaux chaque année sur le territoire Adour-Garonne. Donc on devrait réaliser sur cette année près de 1 milliard en 2021 grâce au plan de relance, 1 milliard de travaux sur l'ensemble du territoire d'Adour-Garonne, ce qui est en fait une année exceptionnelle, mais aussi un engagement fort en termes de travaux et de relance économique sur le territoire. Voilà pour ce qui est du plan de relance. Et on a aussi, dans cette perspective-là, l'objectif de pouvoir, dans le cadre du plan de relance, aussi outiller, d'avoir une remobilisation des territoires. Et on a encore là-dessus un prospect important. On a tenu, il y a quelques jours, avec l'ensemble des acteurs du bassin, un webinaire de ce type-là pour expliquer les modalités. Parce qu'on est aussi dans une phase de révision à mi-programme. Ce qu'on veut, c'est aussi être plus simple, d'être plus lisible, d'être plus réactif vis-à-vis des acteurs du territoire qui nous sollicitent chaque jour de plus en plus nombreux. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, à peu près en stock, en connaissance, à peu près 2000 projets à l'agence de l'eau Adour-Garonne. Donc 2000 projets pour l'année à venir. Peut-être qu'on ne les prendra pas tous cette année, mais voilà, la mobilisation est très importante. On est aussi dans une phase post-municipale et élection. La responsabilité, notre cœur de métier, c'est encore les EPCI, hein, les comités de communes ou les communes, sur le potable, sur l'assainissement, mais également sur l'ensemble des enjeux liés au réchauffement climatique, avec la compétence GEMAPI qui est désormais confiée. Donc on a ici une dynamique aujourd'hui de projets en Adour-Garonne, notamment sur ces enjeux nouveaux de gestion des inondations, mais aussi de gestion prévisionnelle du changement climatique. On en a parlé ce matin, qui est désormais très importante. À nous d'être à la hauteur pour pouvoir accompagner ces porteurs de projets-là. Merci beaucoup, Guillaume Choisy, pour ces propos introductifs. Dans la foulée, nous allons nous adresser ou proposer d'intervenir quelqu'un de vos services, Lucille Grumy, qui est directrice à la direction des aides à l'agence Adour-Garonne, qui va nous présenter dans un instant, justement un peu plus avant, peut-être ce plan de relance dans ses aspects plus opérationnels. Juste avant d'entendre, dans la foulée, Pierre Bignon, directeur régional adjoint de la Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine, sur lequel je reviendrai, ainsi que Stéphane Alouche, pardonnez-moi, qui est présent parmi nous sur le plateau. Stéphane Alouche, vous êtes conseiller ingénierie financière auprès de la direction DREAL Nouvelle-Aquitaine. Vous nous parlerez évidemment aussi de ce plan de relance en Nouvelle-Aquitaine avec un focus sur le domaine de la biodiversité. Mais nous y reviendrons après avoir entendu successivement Madame Grumy et Monsieur Bignon qui sont avec nous en visio. Voilà, nous vous découvrons à l'écran. Et je vous laisse évidemment nous faire ces présentations successives pour lesquelles nous vous avons attribué un temps relativement contraint. Nous en convenons, mais comme vous le savez aussi, c'est la règle dans ce format de conférence en mode hybride avec une bonne partie en visio. Donc je compte sur vous pour votre esprit de synthèse, la concision de vos présentations et tout l'intérêt qu'elles présentent, j'en conviens à l'avance, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Madame Grumy. Oui, bonjour à tous. Je vais laisser la régie passer les diapositives pour moi et je vais illustrer les propos de Guillaume Choisy. Donc vous allez voir en fait sur la première diapositive une carte qui symbolise l'ensemble des projets qui ont pu être aidés en fait l'année 2020 et dans le plan de relance 2021, on se situe vraiment dans cette continuité de l'ensemble de ces projets. Donc c'est la diapo d'après. Pour ce que je vois sur mon écran. Voilà. Donc, sur cette carte, vous avez voilà, l'ensemble des projets qui ont été financés l'année dernière, hein, avec grâce aux 42 millions qui se sont finalement déployés par l'Agence de l'eau, mais transformés en 65 millions nécessaires pour accompagner l'ensemble des projets qui ont été déposés et aider grâce à des taux bonifiés, à des appels à projets et également à une dotation de l'État, la dotation de soutien aux investissements locaux qui ont permis en fait aussi d'aider plus de projets. Donc, ce sont des mesures qu'on a prises sur tous les domaines, en fait, l'année dernière, que ce soit l'agriculture, les aides aux entreprises, l'assainissement, l'eau potable, la restauration des milieux aquatiques, la restauration des cours d'eau, la restauration écologique, l'agriculture. Et vous avez ici quelques critères techniques, on va dire, hein, de ce que ces moyens financiers déployés par l'agence ont permis de faire.
Donc, sur la diapo d'après, les 47,4 millions, c'est en effet la dotation en fait de l'État, donc exceptionnellement, hein, qui abonde le programme de l'agence et qui permet d'aider en fait des projets sur l'eau potable et sur l'assainissement, la gestion des eaux pluviales et évidemment la question des boues avec l'hygiénisation des boues qui est devenue indispensable et nécessaire. Donc, c'est 47,4 millions, il se découpe en fait en 46 millions pour tout ce qui concerne l'eau potable et l'assainissement et 1,4 pour la continuité écologique. Et ça relève en fait voilà, de la structuration des crédits alloués à l'agence de l'eau sur les 260 qui ont été distribués, on va dire, au sein des agences au niveau français. Donc sur la diapo d'après, l'objectif, en fait, pour cette année 2020 et pour ces crédits plan de relance spécifiques État, c'est de continuer, en fait, les conditions qu'on a utilisées l'année dernière et pour lesquelles, en fait, plus de 600 dossiers bénéficiaires ont pu être aidés. C'est avec des conditions assouplies pour ce qui concerne l'eau potable et pour l'assainissement, qui va permettre en fait d'accélérer, je dirais, la complétude des dossiers. C'est-à-dire que on garde certaines conditions qui sont indispensables et qui sont notamment celles, par exemple, du prix de l'eau, de 1,50 € hors taxes redevances incluses. Mais par contre, on va alléger certaines conditions, notamment pour ce qui concerne la complétude des dossiers, où dès lors que vous avez un dossier de consultation des entreprises que vous pouvez publier, vous pouvez déposer un dossier à l'agence de l'eau pour qu'il soit engagé par l'agence. Donc, je vous incite vraiment très fortement à engager et à déposer des dossiers en contactant nos équipes d'ici juin 2021. On a d'ores et déjà en fait beaucoup de dossiers en prospect qui sont étudiés par nos services et on prévoit plutôt d'engager la totalité des 46 millions en eau potable et assainissement en juillet. Au maximum, ce sera un dépôt de dossier au 30 septembre, mais on prévoit en fait d'avoir utilisé, on va dire, ces 46 millions en eau potable et en assainissement d'ici juillet. Et l'enveloppe pour la continuité écologique est d'ores et déjà utilisée. Voilà, elle a déjà été engagée. Les aides sont importantes, donc de 50 à 70% de subventions en assainissement, que ce soit des dossiers prioritaires ou non prioritaires. Et je vous rappelle que dans ces dossiers-là, on va utiliser en fait des dossiers notamment qui sont mûrs, puisque ça répond aux critères du plan de relance, à savoir des travaux qui s'engagent maintenant ou en 2022 et qui se terminent en fait en 2023. Et dans ce cadre-là, on a renouvelé un appel à projet pour le renouvellement des réseaux. Et pour cet appel à projet, vous pouvez déposer des dossiers jusqu'au 30 avril 2021, donc dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Donc, diapo d'après, quelques modalités pratiques. Je vous le disais, en fait, on engage en fait sur des travaux qui peuvent être réalisés jusqu'en 2023. Donc, ce sont des dossiers mûrs, ce sont des dossiers sur lesquels la réalisation peut être rapide, donc préférentiellement des réseaux, mais que ce soit en eau potable ou en assainissement. Également toute opération d'hygiénisation des boues, également toute opération prête, on va dire, sur des stations, que ce soit des usines de traitement d'eau potable ou des usines de traitement des pollutions domestiques. On facilite le versement d'acompte et de soldes, c'est-à-dire que dès lors que on a engagé une opération avec vous, on peut vous verser 50% en fait de la subvention accordée et on pourra verser 80% de la subvention accordée dès lors que vous aurez réalisé 40% des travaux. Voilà, et sur la diapo d'après, vous avez ici l'ensemble des services en fait de l'agence, donc à la fois les contacts au siège et évidemment les contacts dans les délégations qui sont voilà, vos interlocuteurs de première ligne en fait pour l'eau potable et pour l'assainissement. Et en dernière diapo, le site internet de l'agence avec un exemple de formulaire d'aide. Donc, vous allez sur le site de l'agence, vous contactez les services et vous pouvez remplir le formulaire d'aide. Et là-dessus, une suite vous est donnée rapidement. On a une session de décision le 31 mai, donc pour des dossiers qui peuvent être complets d'ici fin avril, début mai. Et ensuite, d'autres sessions de décision fin juin et début juillet. Voilà, je répondrai à vos questions s'il y en a sur les caractères opérationnels de cette mise en œuvre du plan de relance sur le bassin par l'agence Adour-Garonne. Merci Lucille Gremy. Il se pourrait qu'il y ait des questions à votre intention. Cela dit, je suis assez impressionné par la précision, l'aspect très pratique et concret
de votre présentation qui permet d'entrevoir très vite les possibilités. Les chiffres sont là, y compris vous êtes allé jusqu'à la représentation graphique de la demande d'aide. Voilà pour nous projeter, pour ceux que ça intéresserait. Les choses sont parfaitement claires. Merci beaucoup. Pierre Bignon, comme je l'indiquais précédemment, vous êtes directeur régional adjoint de la Banque des Territoires, de Nouvelle-Aquitaine. Et vous allez nous présenter en quelques mots l'accompagnement des collectivités en partenariat avec l'agence via l'AquaPrêt, dont vous allez nous dire un peu plus avant de quoi il s'agit pour les plus profanes d'entre nous. Mais évidemment, vous nous préciserez dans votre présentation tout ce à quoi peuvent prétendre également les porteurs de projets que vous pourriez accompagner. Oui, bonjour, merci. Effectivement, je vais vous présenter donc de mon côté l'offre de prêt de la Banque des Territoires donc pour les infrastructures d'eau et d'assainissement. Alors moi, je vous partage ma présentation, donc j'espère que vous la voyez. En principe, c'est le cas. Si jamais il y avait des difficultés, évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit signal. Alors nous, notre offre de prêt hein, pour les infrastructures d'eau et d'assainissement, elle est concentrée essentiellement sur un prêt chez nous qui s'appelle l'AquaPrêt. Alors AquaPrêt qui a été donc mis en place en 2019 et qui donc est ouvert jusqu'à la fin 2022. Donc on a une enveloppe au niveau national de 2 milliards d'euros et donc qui a été prévue pour financer de manière générale les infrastructures d'eau et d'assainissement. Alors, je vais revenir un petit peu en détail, bien sûr, sur les caractéristiques de ce prêt et puis les conditions dans lesquelles il peut être mobilisé. Moi, ce que je vais aussi vous indiquer à ce stade, c'est que dans le cadre du plan de relance de la Caisse des dépôts et en accompagnement des pouvoirs publics, nous avons prévu de baisser en fait la tarification de ce prêt. Donc, c'était un outil qui existait déjà, mais dont les conditions ont été revue, je dirais, à la baisse, de manière à accompagner effectivement la relance aujourd'hui et à favoriser l'investissement des maîtres d'ouvrage. Alors, premier aspect, effectivement, à évoquer sur cette AquaPrêt, c'est qu'est-ce que finalement on peut financer avec l'AquaPrêt. Ben, écoutez, c'est de manière générale assez large. Nous pouvons financer, tout type d'investissement, que ce soit dans le domaine de l'eau potable, de l'eau usée, mais aussi de tout ce qui est eau pluviale, GEMAPI. L'essentiel étant finalement en fait qu'il s'agisse d'investissements de long terme. Bon, on ne finance pas des projets de court terme, mais c'est finalement très très peu le cas dans le domaine de l'eau et l'assainissement. On est quasiment toujours de manière systématique sur des investissements de long terme. Et voilà, donc on a géré un panel d'investissements éligibles qui est assez large, qui est très large même. Et donc, on peut financer des investissements qui sont portés en direct par les collectivités, mais aussi des subventions que les collectivités seraient amenées éventuellement à apporter auprès d'autres maîtres d'ouvrage. Donc, les subventions sont aussi éligibles à nos prêts. Point important, je dirais, de nos prêts, hein, c'est vraiment la caractéristique, je pense, principale des prêts de la Caisse des dépôts, c'est que ce sont des prêts de long terme. On peut financer donc jusqu'à 40 ans, alors on commence même à un minimum 25 ans, donc on ne fait pas de préfinancement, de subvention ou de choses comme ça, mais voilà, on peut aller sur des durées qui sont extrêmement longues, on est de manière générale jusqu'à 40 ans, et on peut même aller jusqu'à des durées d'amortissement de 60 ans sur les infrastructures de réseau, donc tout ce qui est réseau d'eau et d'assainissement. Voilà, c'est vraiment des durées, je pense, tout à fait exceptionnelles, mais qui sont aussi complètement en adéquation avec la durée de vie des investissements et qui permettent donc de les financer dans les meilleures conditions possibles, en se calant vraiment bien à cette durée de vie des ouvrages. Alors, ces durées, elles sont possibles, sans rentrer dans des détails trop trop techniques à ce stade, mais lorsqu'on est sur notre offre de prêt qui est indexée sur le taux du livret A, puisque vous savez peut-être pour certains d'entre vous que l'une des grandes missions de la Caisse des dépôts, c'est d'utiliser l'épargne qui est déposée sur les livrets, donc notamment les livrets d'épargne réglementés, livret A, livret de développement durable, pour la transformer en prêt de long terme, et d'où le fait qu'on ait une offre qui est principalement en fait aujourd'hui adossée sur le taux du livret A. Et on a aussi la possibilité, dans le cadre d'un partenariat avec la Banque européenne d'investissement depuis quelques années, de proposer une offre à taux fixe extrêmement attractive. Alors, sur des durées qui sont plus courtes, hein, qui sont
peut-être dans certains cas un petit peu moins en adéquation avec la durée de vie des objets financiers, mais encore que, puisque là on est sur des maturités de 15, 20, 25 ans, qui sont proposées à taux fixe dans des conditions qui sont très très avantageuses. Alors c'est un barème qui est actualisé tous les mois, mais je cite à titre d'exemple, par exemple sur ce mois-ci, à 25 ans, on est à un taux de 0,83%. Et un taux donc encore inférieur sur des maturités plus courtes. Ce qui nous semble aussi important d'indiquer, alors en termes de conditionnalité, il y a assez peu de choses en fait qui sont demandées. Il y a deux principaux éléments peut-être à citer. Ce que la Caisse des dépôts vérifie donc au cours de l'instruction des prêts, c'est d'une part que le maître d'ouvrage dispose bien d'une programmation pluriannuelle d'investissement, qui est finalement quelque chose d'assez classique, et puis d'un diagnostic des réseaux. Alors, quand il s'agit de financer des réseaux, puisque évidemment, si on finance par exemple une station d'épuration, on va pas avoir cette exigence, mais lorsqu'on finance les réseaux, on va demander à ce que les diagnostics des réseaux d'eau et d'assainissement, donc qui sont des documents obligatoires, soient à jour. Je précise d'ailleurs, à l'occasion de la mention de ces exigences, que nous avons la possibilité de cofinancer, dès lors qu'on accompagnerait en aquaprès des maîtres d'ouvrage. On a aussi la possibilité de cofinancer, donc là concrètement en subvention, des études qui viseraient à mettre à jour par exemple des schémas directeurs, voire à réaliser une programmation pluriannuelle d'investissement. Donc voilà, donc on a cette petite possibilité à intervenir en complément de nos prêts. Voilà un petit peu les éléments donc de caractéristiques de l'aquaprès. Peut-être quelques éléments très très rapidement, mais pour illustrer un aquaprès. Donc je l'ai dit en introduction, il a été ouvert en 2019 et à fin 2020, vous pouvez voir qu'on avait une répartition qui est assez homogène de nos financements sur le territoire national. Alors malheureusement, j'ai pas pu faire de zoom spécifique sur la Nouvelle-Aquitaine, mais on voit que la région est bien représentée sur cette carte. Donc au niveau national, on en est à un petit peu plus de 500 millions d'euros de prêts qui ont été effectués, répartis un petit peu sur tous les types d'ouvrages, avec bien sûr, compte tenu de leurs compétences, une prépondérance des communes et puis des syndicats des eaux, ce qui est tout à fait logique. Donc, par ailleurs, quelques éléments, bien sûr, pour terminer cette présentation. Je vous ai laissé pour ceux qui seraient intéressés, mais bon, là aussi, bien sûr, je pense qu'il y aura quelques questions et on pourra y revenir, mais je vous ai laissé les contacts de nos interlocuteurs sur le territoire. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire en essayant d'être le plus synthétique possible à ce stade sur l'aquaprès et sur notre offre de prêt pour les infrastructures d'eau et d'assainissement. Merci, Monsieur Bignon. Merci pour cette présentation également, tout aussi claire et intéressante, avec un certain nombre de nouveaux repères, puisque vous avez cité l'un et l'autre des coordonnées, vous avez montré des coordonnées à l'écran. Bien évidemment, on pourra les retrouver sur le replay, puisque vous nous suivez pour l'instant en direct sur YouTube. Vous pourrez accéder à ces informations en y revenant le plus facilement du monde dans les replays, dans la diffusion a posteriori de cette édition de Cyclo. Évidemment, ces données sont également disponibles sur le site de Cyclo. Vous pourrez retrouver toutes les coordonnées utiles. Comme je vous l'annonçais précédemment, c'est Stéphane Alouche qui va compléter ce premier tour de table au nom de la DREAL, où vous êtes conseiller ingénierie financière. Monsieur Alouche, pour nous parler encore une fois aussi là, du plan de relance de l'État, en Nouvelle-Aquitaine en particulier, mais avec un focus cette fois sur le domaine de la biodiversité. Oui, bonjour, bonjour à tous. Avant de rentrer sur ce volet biodiversité, je vous resitue quand même un petit peu ce plan de relance, puisque c'était vraiment une crise hors norme qui a appelé un investissement massif. Donc l'État a mis quand même sur la table 100 milliards. L'idée, c'est bien de réussir à relancer et reconstruire la France, et pas n'importe quelle France, une France qui soit résiliente, plus verte, plus respectueuse du climat.
Et un des enjeux qu'on a, c'est que tous les territoires soient vraiment bénéficiaires de ce projet. L'ADREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dans laquelle j'officie, intervient sur différents sujets, donc sur le logement. On est en animation des différentes actions qui concernent ces sujets-là, sur le logement, sur la lutte contre l'artificialisation, sur la décarbonation de l'industrie en partenariat avec l'ADEME, sur l'économie circulaire, la valorisation des déchets, les technologies vertes et notamment tout ce qui est hydrogène, et puis les infrastructures, mobilité verte avec le ferroviaire, les mobilités durables. Ça, c'était pour vous resituer un petit peu notre action. Et puis, on a bien entendu la problématique de la biodiversité, qui pour nous est un enjeu majeur. Puisqu'il ne peut pas y avoir de relance sans s'intéresser à ce qui est notre patrimoine à tous, c'est-à-dire le patrimoine naturel, puisque tous nos services écosystémiques, manger, boire, se soigner, tout ça provient de la nature. L'État a mobilisé dans le cadre de ce plan de relance une enveloppe de 250 millions d'euros. Donc c'est la mesure dont bénéficient aussi d'ailleurs les agences de l'eau. Donc là, c'est la mesure biodiversité sur les territoires, prévention des risques et renforcement de la résilience. Et pour Nouvelle-Aquitaine, c'est 14 millions d'euros qui sont mobilisés. Un enjeu très fort, c'est de restaurer les milieux aquatiques. Et donc, il y a une première orientation qui est la restauration écologique des points noirs. En Nouvelle-Aquitaine, c'est doté d'un million d'euros. Et il y a aujourd'hui 10 projets qui ont été pré-identifiés, qui doivent permettre de restaurer, alors d'accélérer les plans nationaux d'action pour les espèces protégées, par exemple tout ce qui est le lézard osselet, le vison, en partenariat avec les conseils départementaux qui travaillent sur ce sujet. Il y a aussi la restauration donc des opérations qui concernent les parcs naturels régionaux. Mais ça, c'est dans la deuxième grande mesure. Donc, c'est la restauration des aires protégées. Alors, pourquoi les aires protégées ? Parce que donc les aires protégées, ce sont les réserves naturelles régionales, les réserves naturelles nationales, qui sont donc extrêmement riches en matière de biodiversité. Il y a un réel enjeu. Et là, pour les réhabilitations, rénovation de ces réserves et une mise en œuvre accélérée de leur plan de gestion, c'est 2,1 millions d'euros qui sont mobilisés sur ces réserves. Là, c'est une quarantaine de projets qui sont aujourd'hui pré-identifiés et dont les engagements vont prochainement commencer. Et puis donc c'est 0,6 millions pour les parcs naturels régionaux. Alors les parcs naturels régionaux, quel est l'intérêt ? C'est que ça permet à la fois de relancer le tourisme, les emplois, en même temps qu'aménager et préserver la biodiversité, puisque c'est vraiment dans les parcs naturels régionaux des sites dans lesquels on arrive à concilier ces différentes activités. Il s'avère aussi que l'État est propriétaire de barrages. Barrage qu'il a encore parce que servant l'intérêt général. Il y a notamment 1 million d'euros qui va être affecté à l'effacement du barrage de la Trave sur le Ciron en Gironde. En plus de ces mesures, on a aussi 1,4 million d'euros qui sont confiés au Conservatoire du littoral Nouvelle-Aquitaine pour les espaces protégés et notamment travailler sur tout ce qui est aménagement du trait de côte, sentiers littoraux. Donc il y a 6 projets qui sont en cours.
Pourquoi ces projets-là ont été identifiés dans un premier temps? On a commencé en juillet 2020 à essayer de pré-identifier les projets parce que le plan de relance sortait et on n'avait pas encore obligatoirement toutes les orientations, mais on savait au niveau de l'ADREAL qu'il allait falloir être prêt. Et on a travaillé avec les partenaires habituels avec qui on travaillait, partenaires que sont les conseils départementaux, les associations, le conservatoire des espaces naturels, des syndicats. Et avec tous ces partenaires, on a pu identifier les projets. Et les premiers engagements ont eu lieu il y a quelques jours, puisqu'on a une quinzaine de projets qui sont déjà engagés et d'autres qui vont venir. Mais ces thématiques-là sont extrêmement importantes pour les collectivités. Et les collectivités qui, elles aussi, ont des projets en lien avec la biodiversité vont pouvoir, en se rapprochant des préfets de département, faire appel à la dotation de solidarité à l'investissement local pour elles aussi financer des projets qui vont leur permettre de travailler un environnement plus accueillant avec un cadre vie rénové et qui permettent de lutter contre le changement climatique sur leur territoire. Voilà. Merci Stéphane Allouche pour ces précisions. Juste avant de passer à la deuxième partie de notre conférence qui fera intervenir des témoignages de terrain par des porteurs de projets eux-mêmes qui vont pouvoir s'exprimer sur ce type d'accompagnement. Juste avant cela, peut-être une ou deux questions au cas où nous aurions des questions sur le chat, par exemple. A priori, pas de questions, ce qui est bon signe. Comme je disais à Mme Grumy tout à l'heure, quand il n'y a pas de questions, ça veut dire que les choses ont été bien dites et qu'elles sont suffisamment claires pour être bien comprises. Par contre, M. Allouche, si vous le permettez, à ce stade, il y a une question que vous m'avez inspirée, notamment sur ce thème de la biodiversité en particulier. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura des crédits pour tous les projets en lien avec la biodiversité, ou comment est-ce que vous voyez les choses en fonction des tendances du moment, ou quel est le champ des possibles? Alors, au-delà des crédits qui sont habituellement mobilisés tout au long de l'année sur nos budgets du ministère de la Transition écologique, au-delà de ces crédits exceptionnels dont je viens de vous parler, les collectivités ont la possibilité, et les réflexions sont en cours, ont la possibilité, en travaillant avec les préfets de département, de mettre en place des contrats de relance et de transition écologique. Ces contrats s'apparentent à des projets de territoire dans lesquels on peut porter à la fois des projets en faveur de la biodiversité, comme de l'énergie, comme du climat ou des mobilités durables. Et donc le volet biodiversité pour créer des ceintures vertes autour des villes, pour amener la nature en ville, pour restaurer des espaces naturels en zone urbaine ou périurbaine. Voilà. Tous ces projets-là peuvent être intégrés à ces contrats de relance et de transition écologique. D'accord. Qui bénéficieront de crédits, notamment de dotations, solidarité, d'investissement local, mais aussi mobiliseront d'autres crédits que pourront apporter tous les opérateurs financiers. Merci, merci beaucoup. Madame Grumy, juste une petite question. Justement sur le volet opérationnel des aides et de l'accompagnement que vous avez évoqué. Qu'est-ce qu'il en est en termes d'éligibilité quand il y a concurrence de projets sur un même sujet, sur un même domaine, voire parfois contradiction ou je ne sais pas. Cette question m'est évoquée m'est inspirée par l'intervention précédente aussi concernant la biodiversité. Vous parliez d'effacement tout à l'heure de barrages, par exemple. Voilà le genre de travaux qui peuvent être faits, j'imagine, dans le cadre de la continuité écologique, par exemple, qui font partie de ces objectifs. Est-ce qu'il peut y avoir, Monsieur Choisy pourra peut-être répondre à cette question aussi, est-ce qu'il peut y avoir parfois conflit d'intérêts par rapport à des objectifs
contradictoires, justement, dans certaines situations. Est-ce que le plan de relance change quelque chose par rapport aux critères habituels d'éligibilité des projets ? Je ne sais pas, M. Choisy, si vous voulez en dire deux mots, ou Mme Gremy, pour commencer ? Comme vous voulez. Allez-y, commencez, Lucille Gremy. Je commence alors. Non, je voudrais en tout cas souligner le partenariat de l'agence et de l'État. C'est-à-dire que, évidemment, cette synergie, elle est naturelle et elle est évidente. Lorsque l'agence finance en fait des projets, ce sont évidemment des projets qui sont autorisés par l'État, qui ont fait l'objet en fait d'études de faisabilité et d'études d'impact, et qui répondent bien à la prise en compte de l'ensemble des enjeux. C'est-à-dire par rapport à votre question sur le conflit d'intérêts, ce que l'agence finance, c'est évidemment des projets qui vont permettre de réduire des pressions sur l'environnement, donc des pressions de pollution, on parlait de restauration écologique, et de continuité écologique des cours d'eau. Donc, mais dans le cadre d'une étude et d'un contexte qui a été évalué, qui prend en compte les enjeux, les activités économiques, et qui peut, par exemple, quand on efface en fait ou qu'on arase un seuil en rupture de cours d'eau, on va regarder s'il faut consolider d'une certaine manière les berges pour que des prélèvements à l'amont ou à l'aval ou des activités économiques ne soient toujours possibles. Lorsque l'agence aide un projet, par exemple, d'arasement sur un cours d'eau qui fait une rupture, elle accompagne aussi les études et les travaux qui vont permettre en fait de stabiliser l'ensemble des ouvrages. Voilà, et l'ensemble des activités. Et des usages. Associés sur sur un même projet. Merci beaucoup pour cette précision. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Choisy, ou je ne sais pas. C'était largement dit, et j'appuie ce que vient de dire Lucille. Rémi, c'est qu'on a besoin de travailler en partenariat. Alors sur la continuité écologique, par exemple, on travaille de façon assez bien sur le bassin avec l'ensemble des acteurs. On a fait une plaquette qui a été même discutée avec les associations qui défendent les moulins ou qui défendent les seuils. Et aujourd'hui, sur le bassin, ça se passe plutôt bien. Alors, je ne dis pas que par-ci ou par-là, on peut avoir un conflit, Globalement, il y a une bonne concertation. On le gère bien. On a même fait une plaquette commune pour se mettre d'accord sur ce qu'on faisait, en lien avec, qui était piloté, financé par l'agence, mais piloté par l'AFB, avec l'Adréal de bassin. Et ça fonctionne plutôt bien, cette synergie-là. Il n'y a pas de prise. Et on a même une commission qui s'est d'ailleurs réunie ce matin, qui est pour une politique apaisée de la continuité écologique, et qui se réunit. Alors, à la fois, elle reprend quand il y a des sujets importants. Elle est présidée par Claude Miqueux, qui était jusqu'ici membre du comité de bassin, qui est maintenant en conseil, et qui est membre du Conseil national de l'eau, également sur ces questions-là, donc en expertise. Et quand il y a une difficulté, localement, on la reprend sur une échelle bassin, on essaie de comprendre pourquoi il y a cette difficulté, qu'est-ce qui pose problème, on est pragmatiste. Mais en même temps, avec l'Adréal et l'OFB, on a fait tout un travail de sélectivité des ouvrages. On a 12 000 ouvrages, par exemple, sur le bassin. Et dans le cadre de la continuité écologique, on va en financer 500, 570 exactement. Donc on ne fait pas du systématique, il y a de la place pour tout le monde, y compris parfois pour de la petite hydroélectricité. Et je pense aux Pays Bas, par exemple, au pays de Pau-Béarn, qui actuellement lance des études pour regarder sur des endroits où est-ce qu'on peut développer ça sans impacter la qualité des milieux, la qualité. Donc il n'y a pas de dogmatisme, il y a beaucoup de pragmatisme, et on a aujourd'hui, malgré ce qu'on en dit sur l'eau, beaucoup plus de points de convergence que de divergence. Sur ces sujets-là. Et puis on a besoin aussi d'avoir un cadre. Et c'est vrai qu'autant l'agence, on a la capacité à avoir de l'expertise, de la donnée, de la vision, de mettre en œuvre des stratégies d'action, de mettre un plan d'action. Mais on a besoin aussi d'un État fort, d'un État régalien qui rappelle les règles et qui rappelle le fonctionnement aussi de ces enjeux-là et de la police. Et on voit bien que ça, c'est ce qui fonctionne. Sur les pesticides, par exemple, on est dans le plan d'action. On voit qu'aujourd'hui, on a sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine une quinzaine d'années maintenant sur les premiers programmes ressources qui est en cours d'évaluation. Et sur un département comme la Charente, puisque c'est le département où on a probablement les plus gros problèmes historiquement sur ce département-là, sur les captages, qui représentent quand même un tiers de la superficie du département, on a diminué, on a stabilisé, voire même diminué la présence des pesticides dans l'eau. Mais à quel prix ? Ça veut dire qu'on s'est mobilisé. À la fois, on a fait parfois des ZSCE qui ont été signés. Il y en a 5 sur ce territoire-là. Donc, c'est des éléments contraignants. C'est-à-dire que si on n'arrive pas au résultat, il y a une réglementation plus stricte qui s'applique sur la capacité à dépendre des pesticides, des nitrates, des engrais chimiques, etc. Et
on fait le pari, malgré tout, pour ne pas arriver là, d'avoir des plans d'action ambitieux, mais qui réunissent parfois 30 ou 40 organismes, des coopératives, des SAFER, des chambres d'agriculture, des associations environnementales, des associations de développement agroécologique, l'État, les syndicats professionnels. Et c'est à ce prix-là qu'on arrive effectivement à avoir des actions qui ne sont pas systématiquement du bio pour autant, parce que sur ces territoires-là, on a entre 15 et 30% de bio, mais où il y a une cohérence d'ensemble, de l'ensemble des agriculteurs pour avoir des pratiques moins contraignantes, et on y arrive, et on développe, et on ne fragilise pas non plus le modèle économique. Et j'aurais même tendance à dire, c'est ce que je disais au ministre de l'Agriculture quand il s'est déplacé il y a quelques semaines sur la Charente, je pense que même on rapproche le monde agricole des consommateurs parce qu'on prend en compte aussi cette aspérité de l'environnement, du territoire. Et c'est des choses qui sont aujourd'hui extrêmement importantes. Quelque part à l'origine, parfois, des rencontres qui se font justement entre ces, probablement, ça arrive, entre ces acteurs. Merci beaucoup, Guillaume Choisy, pour ces précisions. Je vais vous proposer de passer à la seconde et dernière partie de cette conférence, et ce sera même la dernière session de cette journée, toujours sur la même thématique de l'accompagnement des projets. Et pour ce faire, nous parlerons successivement Nicolas Harel, qui est directeur général des services de la communauté de communes Terrassonnet en Périgord, Noir, Tenon, Hautefort, j'espère avoir bien prononcé Monsieur Harel, et vous serez suivi immédiatement par une intervention à deux voix, celle de Monsieur Marc Matera et de Estelle Espalier, qui sont respectivement président et directrice du syndicat mixte des eaux de la Dordogne. Avant de vous entendre, Madame Espalier et Monsieur Matera, je vous propose d'assister ensemble à la présentation de Monsieur Harel, qui va nous parler gestion de l'eau, évidemment, des aides de l'agence, de la Banque des Territoires et de l'accompagnement prévu pour le dispositif Ville de demain. Merci, Monsieur Harel. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Merci bonjour. Pour la prise de parole. Donc, heureux de pouvoir participer donc cette journée donc, sur le cycle de l'eau, tellement c'est un enjeu pour notre territoire communautaire, puisque donc, nous nous orientons vers une réflexion politique sur la compétence cycle de l'eau à l'échelle du territoire de la communauté de communes. Nous avons aujourd'hui donc tout un panel lié au cycle de l'eau. Donc nous avons bien entendu la compétence GEMAPI, compétence obligatoire que nous déléguons à deux syndicats mixtes. Nous avons également récupéré la compétence assainissement collectif auprès de nos communes pour pouvoir donc renforcer le champ d'action communautaire. Et donc nous exerçons cette compétence sur l'échelle des 37 communes de l'EPCI avec un mode de gestion un peu mixte avec donc de la DSP sur trois communes, sur les communes sur lesquelles nous avons des services les plus importants, donc Terrasson, Le Lardin et Beauregard, et ensuite donc une gestion en régie directe avec nos propres équipes. Et donc c'est également aussi l'héritage et le fruit des transferts de compétences où nous avons récupéré les modes de gestion de nos communes. Et donc aujourd'hui, la Comcom est en train de se positionner pour réfléchir à une harmonisation de ce mode de gestion, cette compétence-là. Et ça permet également de pouvoir travailler et anticiper la future prise de compétence de l'eau potable sur lesquelles les intercommunalités doivent se positionner d'ici l'échelle 2026. Et donc, nous sommes en train de réfléchir sur donc, à la fois prise de compétence et mode de gestion, dans le sens où on est conscient que l'effet volume sur la compétence assainissement et eau potable pourrait nous permettre d'atteindre une strate suffisante pour éventuellement passer à un mode régie. Donc, on est en train de lancer donc, des études pour nous accompagner sur ce mode de gestion. Donc, c'était un peu la présentation un peu du territoire par rapport au cycle de l'eau, donc, qui est un enjeu essentiel du mandat, je dirais, jusqu'en 2026. En termes d'accompagnement, donc, nous avons au niveau du budget assainissement le suivi d'une cinquantaine d'actions. Nous avons adopté un PPI, donc un plan pluriannuel d'investissement pour pouvoir répondre aux demandes de l'agence de l'eau dans le cadre des financements. Donc 52 opérations qui sont réparties sur les 8 années à venir et pour lesquelles donc, nous avons un volume total de 12 millions d'euros de travaux qui sont prévus. Après le financement de 500 000 euros d'études, notamment ces fameux diagnostics pour pouvoir donc répondre aux demandes de l'Agence de l'eau et de la Banque des Territoires pour aller chercher des financements. Et donc, ces 12 millions de travaux qui sont répartis sur les 8 années à venir, donc s'inscrivent vraiment dans le plan de relance, dans le sens où nous allons rechercher donc, les financements donc, de deux façons. Dans un premier temps, des financements auprès de l'Agence de l'eau, pour lesquels nous avons donc ciblé une recherche de financement à hauteur de 3,7 millions auprès de l'Agence de l'eau sur les 8 années à venir. Et ensuite, donc, auprès donc, de la Banque des Territoires pour aller chercher des financements sur le long terme. Et donc là, on tient à remercier la Banque des Territoires pour son accompagnement sur une grosse opération que nous menons au jour d'aujourd'hui.
Donc, on est en train de financer donc, une station d'épuration sur la commune de Terrasson. Ce projet s'élève à la somme de 5,4 millions d'euros, donc, qui sont financés donc, en partie par l'agence de l'eau, à hauteur de 2,3 millions d'euros sous forme de subvention. Et le solde, on est parti le chercher en financement auprès donc, de la Banque des territoires sous forme de deux emprunts sur le long terme, basés donc, sur le taux de livret avec une marge à 0,6. Ça nous permet donc, de pouvoir financer sereinement cette opération sur du long terme. Et nous avons également... Vous êtes sur quelle durée, pardonnez-moi, monsieur, puisque justement, monsieur, tout à l'heure, le représentant de la Banque des territoires nous parlait de termes qui sont parfois considérablement rallongés. Monsieur Bignon nous parlait de 40, 50, 60 ans. Vous êtes sur quelle durée aujourd'hui? On est sur 30 ans. Ah, pardon. Merci. Très bien. Vous êtes ambitieux. Sur les 3 millions d'euros, donc les 3 millions d'euros qu'on a souscrits auprès de la Caisse des dépôts, donc deux lignes de prêt, une ligne de prêt à 2 millions et une à 1 million d'euros qu'on vient de signer donc la semaine dernière avec M. Fu, notre délégué territorial. Et donc, du coup, on est parti sur 30 ans sur les deux lignes de prêt. Merci pour cette précision. Je vous laisse continuer. Je ne voulais pas vous interrompre. Voilà, et donc ça nous permet finalement d'aller chercher des taux assez intéressants, puisque donc les organismes bancaires privés, je dirais, donc, ont des taux assez très intéressants au jour d'aujourd'hui, mais sur des durées beaucoup plus courtes, de 10 ou 20 ans. Et c'est vrai que les produits offerts par la Banque des territoires nous permettent d'avoir une visibilité sur du plus long terme. Donc c'est quand même un avantage assez intéressant, ce type de financement, notamment donc, ces offres prix, tels qu'ils ont été présentés tout à l'heure par le directeur régional. Donc, l'opération de la STEP, donc financée donc, via l'Agence de l'eau et également donc, la Banque des territoires. Mais nous avons également aussi, par l'Agence de l'eau, nous avons eu la chance d'avoir le financement d'emprunt à taux zéro. Et au jour d'aujourd'hui, donc, à l'échelle communautaire, donc, nous avons un stock de dette à hauteur de 5,2 millions. Et donc, nous avons l'équivalent de 27 lignes de prêt à taux zéro. Donc de prêts qui ont été souscrits par les communes entre 2007 et 2016, qui nous permettent de financer finalement des opérations à taux très intéressant du coup, et donc de pouvoir gagner lisibilité sur ce budget assainissement. Donc voilà un petit peu les différents dispositifs sur lesquels donc, nous sommes partis auprès de l'Agence de l'eau et la Banque des territoires pour pouvoir financer donc, cette compétence assainissement à l'échelle communautaire. Merci beaucoup Monsieur Harel. Merci pour cette présentation. Comme je vous l'indiquais, je vais passer la parole maintenant à Madame Espalier, directrice, et Monsieur Marc Matera, président du syndicat mixte des eaux de la Dordogne, le SMDE 24, qui regroupe à ce jour 43 syndicats d'eau potable et 25 communes isolées, ce qui correspond au global à 440 communes sur les 557 du département, avec la compétence protection de la ressource sur 182 captages d'eau potable. Alors c'est une partie de votre carte de visite, si je puis dire, mais c'était une manière de présenter le territoire sur lequel vous vous inscrivez. Pour votre témoignage à deux voix quant aux actions aidées par l'Agence de l'eau dans le cadre du plan de relance. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Matera. Alors, quelques petites rectifications, bonjour. Donc je suis Marc Matera, le président du syndicat départemental de l'eau. Ce syndicat est jeune, il a 10 ans. Il a été mis en place à la suite de la réorientation des mesures de la DDA qui ne s'occupait plus à l'époque des syndicats d'eau potable, des syndicats locaux. Et donc nous avions réuni l'ensemble des présidents pour voir s'il n'était pas opportun de créer un syndicat départemental. Tout le monde en a été d'accord, tous les présidents en ont été d'accord, et on a créé ce syndicat départemental de l'eau de la Dordogne, avec, vous aviez presque raison à l'époque, 54 syndicats qui se sont regroupés au sein de ce syndicat départemental. Et la proposition qui avait été faite était de reprendre le personnel qui pouvait jusque-là permettre aux syndicats locaux qui n'avaient pas de services techniques, qui n'avaient pas de services administratifs, de leur permettre d'avoir à disposition des services administratifs et des services techniques, en tout 14 personnes qui ont été reprises d'un syndicat, le plus gros syndicat de la Dordogne, celui de Cougnier-Chamier, et mis au sein de ce syndicat départemental. Et nous avons créé, bien entendu, des postes d'ingénieurs hydrogéologues et comment, d'ingénieurs en charge de ce syndicat départemental. Donc, ce syndicat départemental apportait l'appui technique
et secrétariat comptabilité auprès des syndicats locaux. À la suite de la mise en place de la loi NOTRe, ce nombre de syndicats a été réduit, puisque nous avons favorisé les fusions, de telle manière que chaque syndicat soit à cheval sur 3 intercommunalités. La condition pour ne pas disparaître était de faire en sorte que ces syndicats soient à cheval sur 3 intercommunalités à l'époque. Et donc, nous sommes passés de 54 à 14, à 17 exactement. Nous avions à l'époque 17 syndicats locaux, plus le syndicat départemental. La question qui s'était posée tout à fait au départ, en 2009-2010, était de savoir quelle était la compétence qui allait permettre aux présidents de syndicats locaux d'adhérer à ce syndicat départemental. C'était un syndicat à la carte, il fallait donc déterminer une compétence. Celle qui nous a paru être la plus appropriée au transfert de compétences de syndicats locaux était la protection de la ressource. Parce qu'on s'est posé la question, quelle était la compétence qui intéressait le moins à l'époque les présidents de syndicats? À l'évidence, c'était la protection de la ressource qui est devenue aujourd'hui une compétence capitale en matière d'eau potable. Et donc, tous les syndicats, je vous dis, le 54 syndicats avaient adhéré. Nous sommes passés ensuite à 17 syndicats. Depuis, des syndicats ont transféré la totalité de leurs compétences au syndicat départemental de l'eau, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 12 syndicats adhérents et nous avons 5 commissions territoriales. Ce sont des structures qui ont été mises en place à la suite du transfert de compétences et de la totalité des compétences des syndicats locaux. Alors, pour faire simple, ce syndicat départemental a un budget de fonctionnement de 935 000 €. C'est le dernier compte administratif. Grâce à ces 935 000 €, nous permettons aux syndicats locaux et aux syndicats départementaux de réaliser entre 20 et 22 millions d'euros d'investissement. Autrement dit, nous avons une section de fonctionnement qui représente 4,5% de la section d'investissement globale de ce département. Et nous sommes curieux de savoir quelles sont les structures qui seraient en capacité de présenter de tels ratios. C'est-à-dire qu'avec 14 personnes, nous faisons vivre l'eau potable en Dordogne auprès de 85% des abonnés de ce département. Notre objectif constant étant d'apporter une eau de qualité en quantité suffisante au prix le plus juste auprès de nos abonnés, c'est-à-dire d'avoir le souci constant de l'intérêt de nos abonnés. Je dois remercier l'Agence de l'eau, puisque grâce à l'Agence de l'eau, à la Banque des territoires également, mais surtout grâce aux décisions prises au niveau gouvernemental, nous avons pu... Alors, nous n'avons fait le bilan que de l'année 2020. Nous avons pu récupérer près de 2,5 millions d'euros de subventions de l'agence sur un investissement de 6,4 millions. Ces 6,4 millions sont les investissements qui ont été éligibles aux dotations récentes qui découlent des mesures qui ont été prises au niveau de l'État. Donc 6,5 millions sur les 22 millions d'euros d'investissements qui ont été réalisés. Et lorsque je dis 2,5 millions de subventions, c'est bien entendu 2,5 millions par rapport à ces 6,5 millions, c'est-à-dire à peu près 40%. Alors dans ces 40%, il y a des investissements qui ont obtenu 25-30% de subventions, il y en a d'autres qui sont à 70%, mais en moyenne, ça nous fait du 40%. Et heureusement que l'Agence de l'eau est là, parce que cela nous a permis de ne pas avoir de baisse au niveau de notre investissement, malgré l'année extrêmement difficile. 2020, c'est pas forcément une année très facile, mais cela nous a permis de continuer à avoir les investissements que nous menions d'habitude jusqu'à maintenant. Madame Espalier va vous les détailler un peu plus. Mais voilà ce que je voulais dire, c'est que quand on réfléchit à une orientation de la politique de l'eau potable dans notre département, il faut toujours se poser la question de l'intérêt de l'abonné. Quelle est la décision politique qui doit être prise pour faire en sorte que nos abonnés aient véritablement un intérêt en matière d'eau potable? Eh bien, je pense pour l'instant, et je suis prêt à en faire la preuve, que le syndicat départemental de l'eau est la garantie véritable de l'intérêt de ses abonnés auprès de toute réflexion qui pourrait être menée en la matière.
Je passe la parole à Madame Espadier. Merci, Monsieur Matera. Alors, Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, bien entendu. Donc, au niveau du plan de relance de l'année 2020, donc aussi bien pour le syndicat départemental lui-même que pour les syndicats primaires adhérents, donc nous avons déposé trois types de dossiers dans ce plan de relance. Tout d'abord, des dossiers pour la réhabilitation des réservoirs d'eau potable. C'était quelque chose d'un peu nouveau en 2020. Donc, nous avons eu 9 opérations qui ont été retenues et subventionnées. C'est-à-dire que nous avons eu à peu près 576 000 euros de subventions pour 1 746 000 de travaux, à peu près 33% pour les réservoirs. Nous avons également eu 5 nouveaux dossiers, parce qu'on en avait eu les années d'avant, mais en 2020, 5 nouveaux dossiers pour les opérations de renouvellement de canalisation. Là aussi, les chiffres sont assez proches, 547 000 euros de subventions pour 1 833 000 euros de travaux. Et également, puisque notre régie départementale gère aussi de l'assainissement, nous avons pu, dans le cadre du plan de relance, avoir 2 dossiers bonifiés pour la réhabilitation de 2 stations d'épuration et la réhabilitation des réseaux associés. Donc là, nous avons obtenu 1 421 000 euros de subventions pour 2 694 000 euros de travaux. Donc une aide très appréciable sur l'assainissement aussi. Voilà ce que nous avons fait en 2020. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on nous entend en retour. Je pense que je vais vous proposer de baisser le son de votre ordinateur, si c'est possible, Madame Espalier ou Monsieur Matera. Voilà, je pense que ça va mieux ou que c'est la régie qui s'en est occupée. En tout cas, merci pour cette présentation à deux voix. Je n'aurai pas de questions particulières à vous adresser concernant vos projets, la façon dont vous les avez menés et la manière dont vous vous êtes fait accompagner. Monsieur Matera a bien expliqué l'esprit dans lequel il agissait. Madame Espalier nous a donné des chiffres révélateurs justement de la hauteur de l'accompagnement tel qu'il peut être dans ce type de projet. Je n'ai pas de questions complémentaires à vous adresser, si ce n'est celle qui aurait pu parvenir du chat. Donc je m'adresse toujours à la régie pour savoir, évidemment, s'il y en a eu au cas où qu'il me le fasse savoir, bien évidemment. Peut-être une question, Monsieur Allou, je vais vous solliciter de nouveau, par rapport à tout ce qui peut concerner l'action de l'État à l'échelle régionale. Comment est-ce qu'on s'assure, vous assurez, vous, les services de l'État, de la cohérence et de la coordination de tout ce qui peut se faire. Parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a plusieurs guichets quand même auxquels il faut s'adresser d'une façon ou d'une autre. Comment est-ce qu'on coordonne tout ça pour que les choses soient justement mises en cohérence et compatibles avec les objectifs généraux des uns et des autres ? Donc au niveau régional, l'État a une patronne qui est la préfète de région. Mmh. Et la préfète de région réunit son comité régional de suivi du plan de relance avec des grandes collectivités et puis tous les directeurs des services et des opérateurs de l'État. Cela afin de coordonner et suivre l'attribution, le déroulement des appels à projets et l'attribution des projets. Ensuite, les services eux-mêmes travaillent ensemble. Effectivement, comme le disait Monsieur le directeur général de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, on ne peut que se féliciter du partenariat que nous avons, puisque nous avons créé avec l'agence de l'eau, mais aussi la région, une plateforme eau et puis une plateforme biodiversité et qui maintenant sont en train de fusionner et qui nous permettent de balayer toutes les grandes orientations, les grands projets pour de manière opérationnelle nous coordonner. Et puis ensuite, on effectue sur nos différents domaines d'intervention, on effectue tous des rapportages
mensuelles, voire même à des échéances plus courtes, où on fait remonter tous les projets avec le niveau d'avancement, avec les engagements financiers qui vont avec. Et ça permet de donner au niveau régional, à la préfète de région, des informations sur ce qui se déroule et où on voit bien que les objectifs du plan de relance sont atteints aussi bien en termes de territorialisation que de type de mesures portées avec les financements associés. Et on fait remonter ensuite tout ça au niveau national qui lui aussi va vérifier que les régions avancent bien comme, selon les orientations données. Merci beaucoup, Monsieur Allouche. Guillaume choisit peut-être un mot de la fin, si vous le voulez bien, ou en guise de conclusion. Bon, on est un peu chez vous dans le cadre de cette conférence que vous avez proposée et organisée d'une certaine façon, certes, avec beaucoup d'acteurs que nous avons entendus. Mais quelque part, effectivement, vous nous avez bien introduit les choses tout à l'heure en rappelant aussi les particularités du plan de relance, la particularité de l'abondement de l'État à votre budget qui est tout à fait exceptionnel avec toutes les conséquences positives que ça peut avoir dans le cadre du financement des aides et des accompagnements des projets. S'il fallait retenir quelque chose des différentes interventions qui auraient pu retenir votre attention, que pourriez-vous transmettre à ceux qui nous écoutent et qui ont suivi avec attention, j'imagine aussi, toutes ces propositions ? Que les enjeux ils sont forts. Donc, ce que je constate, c'est qu'on a une mobilisation qui doit continuer. Aujourd'hui, les impacts sur le prix de l'eau, ils sont probablement limités sur le modèle économique de l'eau si on sait saisir, dans le contexte actuel, les taux qui sont quand même relativement assez importants des agences, avec des moyens qui sont quand même inédits avec ce plan de relance, mais également avec la capacité de mobiliser des prêts. Et c'est vrai qu'on a eu... C'est vrai sur l'eau potable et l'assainissement, mais on a aussi quelques projets désormais avec la Banque des Territoires sur des enjeux GEMAPI. Et on a vu cet épisode des inondations, on a vu aussi les enjeux liés à la renaturation des rivières, la renaturation des villes. Et ça fait partie des enjeux qu'on est capable aussi d'accompagner en lien avec des prêts qui sont quand même de très long terme, hein, 40, 60 ans, 25 ans. C'est quand même des prêts extrêmement longs qui permettent d'amortir des investissements. Mais sur l'eau, nos outils, notre patrimoine, ils durent ce temps-là. Donc ce n'est pas incohérent de faire porter sur ces enjeux-là. Et c'est vrai que j'appelle hein, les porteurs de collectivités qui sont nouvellement élus. Il y a eu un gros renouvellement aux dernières élections, mais il faut aussi accélérer. Il faut accélérer ces changements-là. Il faut savoir saisir parce que les moyens ne sont sur le territoire souvent ne vont pas forcément durer avec le plan de relance. C'est une aubaine. Donc saisissez-vous, mais saisissez-vous très très vite. Voilà, les projets viennent vite, donc ne soyez pas en retard, notamment pour parfois les territoires ruraux. Je sais que c'est un effort supplémentaire sur des territoires qui sont parfois moins dotés en ingénierie. Je souligne et j'ai bien vu. S'il y avait eu des témoignages de structures départementales, le 47, le 25, notamment, qui le sont. Je sais que le 17, la Gironde sont aussi des départements qui sont structurés au niveau départemental et qui ont plus de facilité peut-être à être réactifs, mais il faut que tout le monde se mobilise sur cette période-là. Et puis, on a une efficacité financière sur le territoire de Regarde. Historiquement, on a toujours eu des partenariats très forts avec les départements. Ils sont aujourd'hui plus forcément... les contributeurs où ils n'ont plus d'obligation de responsabilité sur l'eau, mais ils restent tous mobilisés dans les départements du bassin. L'ensemble des départements restent mobilisés sur cette question-là et c'est parce qu'ils sont volontaires, parce qu'il y a un enjeu aussi. Et on a une bonne efficacité parce qu'on a des financements complémentaires les uns avec les autres et ça permet aux porteurs de projets de limiter aussi cet impact sur les contribuables. Et puis, on a un deuxième... effet qui s'est doté pour faire face au changement climatique. C'est vrai qu'on a eu une très forte mobilisation des régions. On l'a vu ce matin sur le changement climatique avec les appels à projets, on en a parlé, sur la renaturation des zones humides. On a aussi sur la transition agricole, sur les économies d'eau dans l'ensemble des usages, des appels à projets qui sont partis, qui sont uniques et qui permettent que chacun soit fédéré autour d'un même objectif avec des mêmes financements pour mobiliser les acteurs sur des choses qui sont communes pour avoir une plus grande efficacité face à la question de l'eau. Et puis une efficacité avec l'État, moi je le souligne. Nous-mêmes, on rencontre, on n'avait pas l'habitude de le faire comme ça, mais pour le plan de relance, on rencontre au préfet de région, au préfet de département, et c'est bien à l'échelon des régions que tout est consolidé. Une efficacité qui est redoutable, qui a été mise dans des temps records, et qui permet aujourd'hui de remobiliser, de maintenir et de pouvoir avoir des perspectives sur l'économie. Alors même si dans le bâtiment, je faisais un point avec le président de la Fédération nationale des travaux publics il y a quelques jours, et puis des canalisateurs de France,
On a eu une baisse sur cette période-là. On a perdu 20 ou 30% des emplois intérimaires. Ils sont en train de revenir. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on ait une grosse mobilisation rapide des acteurs économiques pour réduire le temps des travaux. Et pour réduire le temps des travaux, il faut rembaucher, reprendre des salariés pour pouvoir aussi avoir un modèle économique qui revienne le plus rapidement possible dans les rouages de la stabilité qu'il était autrefois. Et ça, il faut une mobilisation de tous et des décisions qui soient rapides. Mmh. Voilà, il faut qu'on soit rapide dans les décisions. C'est l'enjeu du moment. Je pense qu'on est tous mobilisés, État, agences, régions, collectivités locales, pour pouvoir engager cette dynamique-là. Et je sais que sur la Nouvelle-Aquitaine, l'économie résonne. Notre président de bassin, qui est aussi le président de la région, le rappelle souvent comme un acteur et qu'on sait être réactif. Voilà. Merci pour ces rappels utiles, Guillaume Choisy, et cette manière d'évoquer l'agilité nécessaire pour profiter de ces effets conjugués qui sont à saisir tout de suite maintenant. Le plus vite possible, comme vous le recommandez. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à vous et qui nous suivez à distance derrière votre écran et qui avez suivi ces échanges. Merci à nos intervenantes et intervenants à distance eux aussi en visio que nous voyons, nous, de notre côté, comme vous, sur nos écrans. Merci pour votre présence, pour votre disponibilité et pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à la préparation de cette table ronde, de cette conférence très instructive. Merci à toutes et tous pour votre attention et pour votre présence aujourd'hui parmi nous lors de cette première journée de l'édition 2021 de Cyclo Nouvelle-Aquitaine. Et je vous donne rendez-vous pour ma part demain matin pour d'autres conférences que j'aurai le plaisir toujours d'accompagner, d'animer et peut-être avec votre contribution à travers vos questions que vous pouvez toujours poser à tout moment sur le chat, notamment en direct sur YouTube que vous suivez avec attention depuis ce matin. Merci pour votre participation nombreuse que l'on m'a annoncé en régie tout à l'heure, avec évidemment plus ou moins d'intérêt selon les sujets qui vous sont proposés, mais c'est tout l'intérêt aussi globalement de ce format, c'est de pouvoir vous permettre de suivre à différents moments des journées consacrées à nos échanges, au sujet qui vous importe le plus dans votre actualité du moment. Bonne fin de journée à toutes et tous et à demain. 3, 2, 1.